Oui, lequel? Bouteille. Oui, la, lequel, là-bas? Non, le devant lui. Et ça fout le camp en pièces. Questo è il rosso del roi, quello che ci ha fatto il fiore di loto. E ça c'est notre pierre, non? Sì, ça, ça pourrait. Si on en trouvait un, si on en trouvait un bloc, ça pourrait aller, hein, pour la table de la vanité. Ça va. Ça se travaille très mal. Oui. Il est toujours plein de fissures. Mais ça se travaille quand même. Si. Questo qui è un altro, Ah, c'est quoi ça? Questo qui è più un granito duro, duro. No, è granito. Pas niente. Ce qui prime toujours ici, c'est le blanc. Moi, le blanc, c'est très beau parce que c'est très lumineux. Mais finalement, je m'en sers très très peu. Je cherche toujours des pierres qui amènent une couleur ou une matière, comme le travertin et d'autres pierres comme ça, des pierres volcaniques. Il y a toutes les choses qui sont revenues de l'exposition de Montbéliard qui meuble pas mal l'atelier. Dieu merci, il me reste un petit fond pour travailler parce que autrement, il faudrait que j'aille ailleurs. Ce qui m'a amusé là, c'est que, bon, il y a cette progression qui est comme une trajectoire, et le modèle, je l'ai fait en bois. Et quand j'ai placé le modèle comme je voulais le placer, j'ai trouvé que c'était mort, parce que tous ces plombs ont été comme ça. C'était statique, c'est statique. Et c'est en cherchant la pierre, en cherchant les pierres, je suis tombé sur cette pierre extrêmement mouvementée et j'ai pensé que c'était ce qui donnerait à cette sculpture un mouvement indépendant de la fixité des éléments, tu vois. Ensuite, quand on a fait celle-ci, on l'a fait dans un morceau de la pierre qui n'était pas assez mouvementé. La pierre était plus blanche. Donc ça n'allait pas. Donc il a fallu chercher un autre morceau et la refaire. Donc il m'est resté ce morceau dont je me suis servi pour faire la sculpture qui est là-bas. Donc, tu vois, là exactement, c'est cette pierre-là qui n'allait pas, en fait. Elle n'était pas assez dans le mouvement. Par contre, elle contraste bien avec une pierre qui est assez morte, donc elle est même du ciment, presque. C'est une pierre qui sert beaucoup dans les églises ici. La Pietra Serena, ça s'appelle sereine, parce qu'elle est calme, comme un lac sans reflet. C'est une vieille idée, l'idée du papillon. Là, c'est l'idée du pli, c'est l'idée de l'ombre. Mais l'ombre, elle est comme l'autre aile en même temps.